Arbre binaire de recherche. Dans cette deuxième et dernière vidéo sur le sujet des arbres, on va s'intéresser aux arbres binaires pleins, aux arbres complets et à la profondeur d'un arbre complet de taille n. Finalement, on va implémenter des méthodes afin d'ajouter et retirer des éléments d'un arbre binaire de recherche. On va commencer par un petit résumé de la dernière présentation. Okay, donc, on a discuté de l'idée que les arbres nous permettent de représenter des données d'une façon hiérarchique. On peut implémenter un arbre à l'aide de nœuds chaînés. Il y avait des traitements récursifs et itératifs. Quand la méthode parcourt un seul chemin dans l'arbre, par exemple, une méthode contains, qui, à partir de la racine, prend une décision, aller à droite ou à gauche. Si on va à droite, on ne revisite jamais ce choix-là. Si par la suite on va à gauche du prochain nœud, encore une fois, on ne revisite jamais cette décision-là. La méthode, comme ça, à chaque itération, descend d'un plus profondément dans l'arbre, d'un niveau, éventuellement, soit qu'elle trouve la valeur recherchée ou on trouve une valeur nulle, comme fils droit ou gauche, ce qui est une indication que la valeur est absente de l'arbre. Quand on a des méthodes comme ça qui parcourent un seul chemin dans l'arbre, ces méthodes-là peuvent être implémentées de façon itérative. On peut évidemment les implémenter de façon récursive. Et sinon, si on a des méthodes qui vont parcourir plusieurs sous-arbres, par exemple, une méthode qui voudrait calculer le nombre d'éléments dans un arbre devrait parcourir tous les sous-arbres gauche et tous les sous-arbres droit pour calculer la taille de l'arbre. De la même façon, si on voulait une méthode qui calcule la profondeur maximale d'un arbre, on devrait parcourir l'arbre en entier afin de trouver la branche qui se trouve à la plus grande profondeur. Et donc, ces méthodes-là qui doivent faire des parcours dans un arbre, elles sont beaucoup plus faciles à implémenter de façon récursive. Finalement, on a parlé des arbres binaires de recherche. Les arbres binaires de recherche sont des arbres tels que chaque nœud vérifie les propriétés suivantes, c'est-à-dire tous les éléments qui sont dans un sous-arbre gauche ont des valeurs qui sont strictement inférieures à la valeur sauvegardée dans le nœud considéré, et tous les éléments qui sont dans le sous-arbre droit ont des valeurs plus grandes que la valeur sauvegardée dans le nœud d'intérêt. Et cette propriété-là, comme je le disais, est vérifiée pour chacun des nœuds de l'arbre. On a vu qu'on pouvait créer une implémentation chaînée de l'arbre. Ces éléments-là doivent être des éléments qui possèdent une méthode compare to. On a donc un type générique où on dit E extends comparable E. L'information est sauvegardée dans des objets de la classe Node. Et l'élément qui est le plus accessible, c'est l'élément qui est désigné par la variable root. On voit ici le diagramme de mémoire, l'objet Binary Search Tree, sa variable d'instance root, désigne un objet de la classe Node. Ce dernier a une variable d'instance value qui pointe vers un objet dont la classe doit forcément implémenter l'interface comparable. Ensuite, j'ai des variables d'instance left et right afin de désigner les sous-arbres gauche et droit. Okay, ici, on a un arbre qui contient un nœud, deux, trois, quatre, cinq nœuds, cinq valeurs dans un arbre. OK, on va regarder deux ou trois définitions supplémentaires. Ces définitions-là vont nous permettre de caractériser de façon plus précise l'efficacité des arbres binaires de recherche.
Donc, on va commencer avec ce qu'on appelle un arbre plein. C'est un arbre dont tous les nœuds ont exactement deux fils, à l'exception des feuilles, évidemment, qui, elles, n'ont pas de descendants. Donc, ici, on a tout en bas des feuilles. Ce sont des nœuds qui n'ont pas de descendants. Et sinon, tous les nœuds de cet arbre ont exactement deux descendants. À ce moment-là, on dit que c'est un arbre qui est plein. Un arbre complet, c'est un arbre tel que tous les nœuds à profondeur 0 jusqu'à D-2 sont des nœuds qui possèdent exactement deux fils. Si on renverse un peu cette définition-là, ce qu'on est en train de dire, c'est que les nœuds qui ne possèdent pas deux fils sont situés sur les deux derniers niveaux de l'arbre. Okay? Ici, on voit un nœud, le nœud 12, possède un seul descendant. Les nœuds 1, 4, 7 possèdent aucun descendant. Le nœud 29 possède un descendant. Sinon, tous les nœuds qui sont à profondeur inférieure à D-1, strictement inférieur à D-1, ont deux fils. Okay, donc, celui-ci est complet et celui-là n'est pas complet puisque on a ici un élément qui n'est pas situé sur les deux derniers niveaux de l'arbre et qui contient aucun descendant. Donc, celui-là n'est pas un arbre complet. Pourquoi c'est intéressant? Bien, c'est intéressant parce qu'on peut facilement démontrer qu'un arbre binaire complet de profondeur D va avoir de 2 à la D jusqu'à 2 à la D plus 1 moins 1 nœuds. Et ça, c'est intéressant parce que si N est égal à 2 à la D, le nombre de nœuds. Quand je veux savoir quelle est la profondeur de cet arbre-là, mais j'ai simplement à prendre le log base 2 des deux côtés. Donc, le log base 2 de N est égal à log base 2 de 2 à la D. D est donc égal log base 2 de n. OK? On a des exemples ici. J'ai deux arbres qui ont une profondeur de 4, profondeur maximale de 4. Okay? 0, 1, 2, 3, 4. Ici, on voit que l'arbre minimal de profondeur 4, c'est minimal dans le sens nombre total d'éléments, possède 2 à la D, 2 à la 4. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ici, j'ai complété le dernier niveau. Si j'ajoutais un élément, forcément, il serait au niveau 5, puisque le niveau 4 est complet. Dans ce cas-ci, j'ai 2 à la D plus 1 moins 1 élément. Alors, jusqu'à maintenant, on a regardé diverses propriétés des arbres, mais on a pris des arbres qui étaient déjà existants. On n'a pas discuté l'efficacité de ces arbres-là en relation avec la topologie de l'arbre, c'est-à-dire s'agit-il d'un arbre complet ou pas. Alors, je vous présente deux arbres binaires de recherche. Okay? Ils ont des topologies fort différentes. D'abord, assurez-vous que l'arbre de droite est bien un arbre binaire de recherche. C'est-à-dire que chacun des nœuds est tel que, à sa gauche, on a des clés plus petites, à sa droite,
on a des clés plus grandes. Okay? Donc, l'arbre à la droite vérifie cette propriété-là. Il a un peu l'air étrange, puisqu'il est vraiment très, très débalancé. À gauche, il y a un arbre binaire de recherche qui, lui, est un arbre complet et qui est parfaitement balancé. Maintenant, regardez, ces deux arbres-là ont les mêmes éléments. 2, 5, 7, 8, 12, 15, 29. 2, 5, 7, 8, 12, 15, 29. En fait, je vous ai présenté l'arbre de droite de cette façon-ci, où la racine a un fils gauche, simplement pour que ce soit plus convaincant qu'il s'agit d'un arbre binaire de recherche. Mais il y a un arbre qui est encore plus débalancé, qui est celui-ci, qui est aussi un arbre binaire de recherche, puisque chacun des nœuds vérifie les propriétés d'intérêt, mais celui-là est vraiment très, très débalancé. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui est la clé ici? Bien, la clé, c'est que pour déterminer si une valeur est présente ou pas dans l'arbre de gauche, au maximum, je vais traverser deux liens, puisque la profondeur maximale de l'arbre est de 2. Alors qu'à droite, mon arbre a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon arbre a 6 liens, donc je pourrais parcourir jusqu'à 6 liens pour déterminer si une valeur est présente ou pas dans cet arbre-là. Okay, donc finalement, le cas de droite se rapproche beaucoup plus de la liste chaînée que d'une structure arborescente. Si j'ai un arbre qui est complet, je sais que la profondeur et qui contient n éléments, je sais que la profondeur maximale de cet arbre-là va être le plancher de log 2 de n. Alors qu'à droite, le nombre, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais parcourir jusqu'à n moins 1 liens pour trouver l'information. Le log est une fonction qui croît vraiment très très lentement. Puis on va regarder une table très bientôt qui va vous donner les diverses valeurs du log en fonction de la valeur de n. Okay, donc, la clé ici pour les arbres binaires de recherche, bien, c'est le même principe que la recherche dichotomique, c'est-à-dire que chaque comparaison élimine un sous-arbre. Dans le cas de la recherche dichotomique, un sous-arbre de recherche. Ici, vraiment un sous-arbre physique. Le nombre maximal de nœuds qu'on va visiter pour faire la recherche, ça va être la profondeur de l'arbre. Et on a vu que la profondeur maximale de l'arbre pour un arbre qui contient n éléments, c'est log base 2 de n. Donc, ces structures arborescentes-là sont vraiment très, très performantes. Ici, j'ai créé une table où j'ai des puissances de 10. Et donc, pour n, où n est le nombre d'éléments. Et à droite, je vous montre le plancher du log base 2 de n. Entre autres, on voit que pour 1 milliard de clés, mon arbre, s'il est complet, aura une profondeur maximale de 29. Ça veut donc dire que j'ai à poser 29 questions au maximum pour déterminer si une valeur est présente ou pas dans l'arbre, alors que si j'ai une structure linéaire, je pourrais poser jusqu'à 1 million de questions. Ici, je vous montre les unités du système international, donc le méga, giga, tera, etc. Okay, donc, pour 1 milliard de clés, on l'a déjà vu, la profondeur maximale est de 29. Chaque jour, la société produit de l'ordre de 300 à 400 exabytes de données, exaoctets.
Ce qui veut dire que si on prenait toutes les données qui sont produites en une seule journée, on les mettait dans un arbre binaire de recherche, on pourrait déterminer si une clé est présente ou pas en se posant 59 questions. Puis la société, présentement, on a la quantité de données s'exprime en... Oups, désolé, pas en iota, mais en zeta octet. Donc, si on prenait toutes les données qui présentement en 2020 existent, qu'on les mettait dans un arbre binaire de recherche, il y aurait 10 à la 21 clés. Mais pour déterminer si une clé est présente ou pas dans cet arbre-là, on aurait à suivre au maximum 69 liens. Donc, c'est vraiment des structures de données qui sont très, très performantes. Pour vous donner une petite idée de façon très, très empirique, j'ai fait quelques expériences. J'ai utilisé un ordinateur à 64 cœurs, mais j'utilisais seulement un cœur à la fois. Des processeurs, somme toute, assez modestes, Intel Xeon à 2,3 GHz. La machine a une bonne quantité de mémoire vive, 512 gigaoctets, et le système d'exploitation était Linux. J'ai inséré 1 milliard d'éléments dans cet arbre-là et j'ai fait 5 exécutions pour ajouter un élément dans cet arbre-là. Et on voit que le temps moyen pour déterminer si une clé est présente ou pas, ce qui est nécessaire afin d'ajouter, était de 5,76 microsecondes ou 0,005765 millisecondes. Donc, c'est vraiment très, très, une structure qui est très, très avantageuse, très, très performante. Le temps que ça avait pris pour construire cet arbre-là, pour générer 1 milliard de clés, c'était 3,13 heures. OK, donc jusqu'à maintenant, curieusement, on n'a pas considéré la méthode add. On n'a pas considéré comment on allait ajouter des éléments dans notre arbre binaire de recherche. On va donc faire ça ensemble. Donc, je vous propose un exercice où je vais construire un arbre binaire de recherche, puis vous devez imaginer quel est l'algorithme que j'utilise. Je vais ajouter les chaînes de caractères qui se trouvent à l'écran. Donc, je débute. J'insère dans mon arbre le lion. Ensuite, j'ajoute fox. Fox est plus petit que lion. Je l'insère à gauche. J'insère ensuite rat. Rat est inséré à droite du lion. Vous aurez remarqué évidemment que j'utilise l'ordre alphabétique, c'est des chaînes de caractères et non pas la taille de l'animal. J'ajoute 4, c'est plus petit que lion, c'est plus petit que fox. 4 est ajouté à gauche. J'ajoute pig, c'est plus grand que lion, plus petit que rat. Pig est ajouté ici. J'ajoute dog, plus petit que lion, plus petit que fox, mais plus grand que cat. Dog est ajouté ici. Et finalement, j'ajoute tiger. Tiger est ajouté et plus grand que lion et plus grand que rat. Tiger est ajouté ici. Alors, quel est l'algorithme? Est-ce qu'il y a un algorithme qu'on a déjà vu ensemble qui ressemblerait fortement à l'algorithme que j'ai utilisé? Pensez-y. Faites une pause s'il faut. Pendant que vous y pensez, une autre question serait: est-ce que il y a un lien entre l'ordre dans lequel les éléments sont ajoutés
et la topologie de l'arbre. Quel aurait été le pire ordre pour recevoir les éléments? Évidemment, ici, si j'avais reçu les éléments en ordre, puis je vais changer de couleur ici pour qu'on voit bien, si j'avais d'abord reçu 4, ça aurait été l'élément à la racine. J'aurais ensuite ajouté dog. J'aurais ensuite ajouté fox, lion, rat, etc. Vous aurez compris que si on m'avait donné les éléments dans l'ordre, j'aurais obtenu une structure linéaire. De la même façon, si j'avais obtenu les informations dans l'ordre inverse, si j'avais reçu tiger en premier, tiger aurait été la racine, j'aurais ensuite ajouté rat, pig, lion, etc. J'aurais aussi obtenu une structure linéaire, une structure très, très débalancée. Okay, donc, l'algorithme, j'espère que vous l'avez remarqué, l'algorithme pour ajouter des éléments, c'est un algorithme qui ressemble à la méthode contains qu'on a vue ensemble. L'idée, c'est de faire une recherche. Okay, par exemple, ici, si je voulais ajouter frog, débute à la racine. Est-ce que frog est égal à lion? Non. Est-ce que frog est plus grand? Non. Frog est plus petit que lion, je me déplace ici. Est-ce que frog est plus petit, égal ou plus grand à fox? Frog est plus grand que fox. Frog serait inséré ici. Okay, donc, c'est comme la recherche, sauf que on arrive à un point où on détermine, la valeur est absente, le fils droit ou gauche, selon le cas, selon la valeur du test, le fils droit ou gauche a présentement une valeur nulle, je vais remplacer ce fils-là par un nouveau nœud qui va contenir la valeur ajoutée. C'est donc exactement comme l'algorithme pour trouver des éléments. Okay, donc ici, j'ai choisi d'utiliser comme point de départ la méthode contains itérative, celle où root désigne d'abord, ou current désigne d'abord la racine. Alors, tant que je n'ai pas trouvé et tant que current n'est pas nul, donc il va falloir évidemment faire quelques petites modifications ici. Je fais des comparaisons. Et l'idée, c'est si la valeur recherchée était plus petite que la valeur qui se trouve dans le nœud courant, mais que current point left est égal à nul. Okay, donc, j'ai trouvé l'endroit où l'élément serait. À ce moment-là, current point left est égal à new node. Puis on va regarder une solution complète ensemble dans quelques minutes. Comme ça. Puis de la même façon, si dans ma recherche, j'avais déterminé l'élément, s'il était dans cet arbre-là, il se trouverait dans le sous-arbre droit, mais current point right est égal à nul. J'ai trouvé l'endroit
où l'élément devrait se trouver. Je vais donc faire l'insertion, c'est-à-dire current.right est égal à new node, puis je vais insérer l'information juste là. Okay, il y a évidemment un cas spécial qui serait le cas où cet arbre de recherche-là, il est vide. Je vais créer le premier nœud. Donc, ça, on va faire ça avant notre boucle. Et sinon, ben, le code ressemble à ça. Tant que je n'ai pas fait l'insertion, je compare l'élément à insérer et current.value. Si cette valeur-là existe déjà dans l'arbre, je ne l'ajoute pas. On a déjà déterminé qu'un arbre binaire de recherche contient des clés uniques. Sinon, si le résultat du test me dit cette valeur-là, elle est inférieure à current.value, je suis donc ici, mais si current.left est égal à nul, la valeur est absente, je l'insère. Sinon, je n'ai pas encore trouvé le point d'insertion, je me déplace vers la gauche. De la même manière, si le résultat de mon test, j'avais déterminé par rapport à current.value, la valeur élément est plus grande. Je regarde donc à droite. Si current.write est nul, à ce moment-là, cette valeur-là n'est pas présente dans cet arbre-ci, je l'insère. Sinon, je continue la recherche, je descends du côté droit. Donc, on voit bien que l'algorithme qu'il fait, c'est, il ressemble beaucoup à contains et on remplace une valeur nulle par la création d'un nouveau nœud. Ce qui est important dans notre méthode, c'est que la structure de l'arbre, elle ne change pas. Ce qui veut dire, ou le corollaire de ça, c'est que on est tributaire de l'ordre dans lequel les éléments sont insérés. Si on me donne les éléments dans l'ordre, j'aurai une structure linéaire, et ce qui élimine tout avantage d'un arbre binaire de recherche. À l'inverse, je vous demande, quel serait l'ordre optimal pour insérer des éléments? Imaginez que j'ai une liste qui est déjà en ordre et je veux ajouter les éléments dans cet arbre-là. J'ai un tableau et il contient des éléments et ces éléments-là sont en ordre. Bien, le premier élément que je devrais ajouter, c'est l'élément qui se trouve au centre. Ensuite, je voudrais choisir l'un ou l'autre des éléments qui divisent le prochain segment. Et de façon récursive, comme ça, je voudrais toujours couper les segments en deux et ajouter l'élément du milieu. C'est donc comme une fouille binaire dans un tableau. Cette façon-là de traiter les éléments va m'assurer que j'ai un arbre très balancé à la fin du processus. Finalement, on va considérer la méthode remove, une méthode qui va retirer des éléments de l'arbre. Évidemment qu'un retrait va changer la structure de l'arbre. Imaginez que je retire l'élément qui se trouve à la racine de l'arbre. Il est clair que le résultat serait deux sous-arbres. Il va falloir trouver une façon de changer l'arbre, mais une solution qui serait avantageuse, une solution qui va être efficace et surtout, qui va préserver les propriétés de cet arbre-là binaire de recherche. Il ne faudrait surtout pas perdre cette propriété-là. Donc, je vous rassure tout de suite, la méthode est un peu
compliqué à implémenter, mais on ne va pas le faire ensemble, pas complètement. Dans les notes de cours, vous allez trouver le code source, mais dans un examen final, je ne vais pas poser des questions sur la méthode Remove. C'est l'une des dernières méthodes qu'on voit dans la session. Donc, on va plutôt faire le travail ensemble. Puis, généralement, on découvre qu'il y a des propriétés qui sont assez intéressantes des arbres. Ce petit travail-là qu'on va faire ensemble nous permet de bien apprécier les propriétés d'un arbre binaire de recherche. Donc, mon but va être de vous faire découvrir les différents cas de figure, les différents cas qui se trouvent pour retirer les éléments d'un arbre. Tentez d'imaginer quel serait le cas le plus simple. Qu'est-ce qui serait facile à régler? Okay? On s'entend que si je veux retirer un nœud interne, pensez à 9 ou à 6, ce sera certainement compliqué puisque c'est un nœud interne. Il y aura du travail à faire pour retirer l'élément, recoudre la structure de l'arbre et préserver les propriétés d'être un arbre binaire de recherche. OK, donc, on va essayer de trouver les cas les plus simples. Si vous voulez, faites pause, réfléchissez. Quel serait l'élément le plus simple à retirer? L'élément le plus simple à retirer, c'est une feuille. 1, 3, 5, 8, 10 et 12 sont des feuilles. Ces éléments-là, je prétends qu'ils sont faciles à retirer parce que tout ce que j'ai à faire, c'est de sauvegarder la valeur nulle dans la variable d'instance du parent. Donc, par exemple, si je veux retirer la feuille 8, tout ce que j'ai à faire, c'est si parent est une référence vers le parent de la feuille 8, j'ai tout simplement à faire parent.write égale à nul et l'élément a été retiré. OK, donc, retirer une feuille. C'est facile. Pouvez-vous trouver un autre cas qui est simple à traiter? Un cas qui est simple à traiter, c'est le cas d'un nœud qui contient un seul descendant. Par exemple, si je veux retirer 7, si j'ai une référence parent pointant vers le parent du nœud à retirer, tout ce que j'ai à faire dans ce cas-ci, c'est parent.left. Oups. Okay, donc si on dit que current pointe vers l'élément à retirer. OK. Ce qu'on va dire, c'est parent.left est égal à current.write dans ce cas-ci. OK. Évidemment, ça dépend là, de quelle feuille on souhaite retirer. Mais je vais donc tout simplement faire pointer la référence qui initialement pointait vers le nœud à retirer. Je vais la faire pointer vers le descendant l'unique descendant du nœud à retirer. Et évidemment, tout ça fonctionne, peu importe le nombre d'éléments qui se trouvent sous la feuille qu'on vient de connecter, puisque tous les éléments qui sont à gauche de parent.left
sont des clés qui sont strictement inférieures à parent.value. Okay, donc, retirer un nœud avec un enfant, c'est facile. OK, je vais effacer tout ça. OK, on revient. Je vous propose deux prochains cas qui, de façon étonnante, sont faciles à retirer. Je dis étonnante parce que ça va vous demander une petite réflexion. Je prétends que retirer le plus petit élément d'un arbre ou d'un sous-arbre est facile. Et donc, plus petit élément. Est-ce que c'est vrai? Le plus petit élément, c'est l'élément le plus à gauche. Est-ce que l'élément à gauche pourrait avoir un enfant, un fils gauche? Évidemment que non. Sinon, l'élément pointé n'était pas le plus petit élément de l'arbre. Il existait une valeur qui était plus petite. Elle était située dans son fils gauche. Okay, donc, le nœud qui contient la plus petite valeur n'a pas de descendant à gauche. Est-ce que cet élément-là pourrait avoir un descendant à droite? Oui, il pourrait. Pensez, par exemple, au sous-arbre qui débute à 9. La plus petite valeur, c'est 7. 7 n'a pas de descendant gauche, évidemment, puisque sinon, il existerait une valeur qui est plus petite que 7. Par contre, le fils droit n'est pas nul. Donc, ce qu'on conclut, c'est que pour retirer le plus petit élément, cet élément-là est sauvegardé dans un nœud qui est soit une feuille ou soit possède un sous-arbre droit. Puis on a déjà conclu que retirer une feuille ou retirer un nœud qui possède un descendant, c'était quelque chose de facile. J'efface à nouveau. De la même façon, je prétends que retirer la plus grande... Retirer la plus grande valeur, c'est quelque chose de facile. Cette fois-ci, je pense que vous avez compris l'astuce. La plus grande valeur est située dans l'arbre, dans le nœud le plus à droite. Ce nœud-là ne peut pas avoir de fils droit, sinon ce n'était pas la plus grande valeur. La plus grande valeur se trouvait dans un nœud qui était situé à sa droite. Donc, la plus grande valeur est située dans un nœud qui n'a pas de fils droite. La plus grande valeur est située dans un nœud qui est soit une feuille ou possède un descendant, possède un fils gauche. Donc, retirer la plus grande valeur est quelque chose de simple à faire. Soit c'est une feuille, soit c'est un nœud qui possède un fils gauche. On efface à nouveau. On est maintenant prêt pour le dernier cas. Le dernier cas, c'est le retrait d'un nœud interne. Je vous demande de réfléchir. On veut retirer un nœud interne, on veut trouver une stratégie pour faire ça. On
va choisir ici, par exemple, de retirer la racine. Comment est-ce que je vais faire ça? Ce qui est important ici, c'est de se rappeler qu'il faut préserver la structure ou les propriétés d'un arbre binaire de recherche. Donc, on ne peut pas connecter les nœuds de n'importe quelle façon. Il faut connecter les nœuds les uns aux autres de sorte à préserver les propriétés importantes d'un arbre binaire de recherche. Et si nécessaire, je pense que c'est un très, très bon exercice, faites une pause sur la vidéo et tentez de trouver l'algorithme. Je veux retirer 6. Une solution qui pourrait être tentante, ce serait de prendre le sous-arbre gauche et le connecter sous la plus petite valeur de mon sous-arbre droit. Ça pourrait être tentant de faire ça. On serait assuré de conserver la propriété que l'arbre résultant sera un arbre binaire de recherche. Sauf que vous avez peut-être compris que l'arbre résultant serait un arbre qui aurait fort probablement une structure très, très débalancée. Donc, ce n'est pas souhaitable d'utiliser cet algorithme-là pour faire le travail. Il y a deux stratégies, elles sont le miroir l'un de l'autre. On va considérer l'arbre comme ceci. Okay? Donc, ce que j'ai mis dans cette ligne-là entourée de parenthèses, c'est les éléments. Donc, imaginez tous les éléments du fils gauche et tous les éléments du fils droit du nœud à retirer. Si j'avais à considérer une valeur de mon fils droit comme étant une nouvelle valeur qui servirait à remplacer la valeur se trouvant à la racine. Est-ce que j'ai plusieurs choix pour ça? J'ai pas plusieurs choix. J'ai un seul choix pour préserver la propriété d'être un arbre binaire de recherche. Je dois faire la promotion de la plus petite valeur de mon sous-arbre droit. C'est la seule façon qui me permet de préserver la propriété d'être un arbre binaire de recherche. Et si je fais ça, si je retire la plus petite valeur de mon sous-arbre droit, ben, c'est facile de faire ce retrait-là. Pourquoi? La plus petite valeur de mon sous-arbre droit est forcément située dans une feuille ou un nœud qui contient un sous-arbre droit, mais ne contient certainement pas un sous-arbre gauche. Donc, le retrait, il est facile. C'est soit une feuille, c'est soit un nœud qui contient un seul descendant. Okay? Donc, j'aurais pu, par exemple, retirer 7. 8 devient le descendant de 9. Et 7 est maintenant la nouvelle racine. Ça, c'est l'une des deux stratégies. L'autre stratégie, c'est si j'avais à faire la promotion d'une valeur de mon sous-arbre gauche pour devenir la nouvelle racine, quel est l'unique candidat possible pour préserver la structure d'un arbre binaire de recherche, c'est la plus grande valeur de mon sous-arbre droit. Toute autre valeur ferait en sorte que je perdrais la propriété d'être un arbre binaire de recherche. Imaginez que je mets 4 ici. Si je mets 4, ça ne fonctionne pas. À gauche, j'aurai la valeur 5.
Je n'ai plus un arbre binaire de recherche. C'était une mauvaise idée de faire ça. Le seul candidat, c'est de faire la promotion de la plus grande valeur de mon sous-arbre gauche pour devenir la nouvelle racine et la plus grande valeur de mon sous-arbre gauche est soit une feuille ou soit un nœud qui contient un sous-arbre gauche. Il est impossible que le nœud qui contient la plus grande valeur ait un descendant à droite, sinon soit c'est pas un arbre binaire de recherche ou soit que j'avais pas la plus grande valeur. Okay, donc le meilleur candidat, c'est la plus grande valeur de mon sous-arbre gauche et soit une feuille ou possède un descendant gauche. C'est donc un cas simple à retirer. Je retire la feuille, donc dans ce cas-ci, je fais ceci et je fais la promotion de 5 pour devenir la nouvelle racine. Okay, donc c'est relativement simple. OK, donc c'est ce qu'on avait à notre programme pour les arbres binaires de recherche. Les arbres binaires de recherche sont des arbres tels que chaque nœud vérifie la propriété que toutes les clés se trouvant dans son sous-arbre gauche sont strictement inférieures à la clé sauvegardée dans le nœud courant et toutes les clés à sa droite sont strictement supérieures. Cette structure-là, c'est vraiment la base pour faire des recherches efficaces. Ce qu'on a vu aussi, c'est que la topologie de l'arbre dépend de l'ordre dans lequel les éléments sont ajoutés. Si l'arbre est complet et contient n éléments, il faudra qu'on suive au plus log base 2 de n lien pour trouver l'élément recherché. Je vous souhaite bonne chance pour vos examens finaux et on se recroise sur le campus. Salutations!